Et bien salut à tous les amis, c'est Virtue, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire une petite info, donc c'est pas vraiment une grosse info, mais elle peut être intéressante. Elle concerne en tout cas le Swift que j'ai actuellement, que je conduis actuellement. Vous allez pouvoir voir que le Swift est en réalité un bateau, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le mettre sur l'eau et vous allez pouvoir naviguer avec, comme vous avez déjà pu le faire avec le Cargo Bob. Donc c'est vraiment super simple, je tenais à vous faire part de ça parce que moi je l'ai découvert hier, j'étais assez choqué de voir cela. Donc pour ceux qui voudraient tester, vous allez voir que c'est vraiment assez fun, surtout quand vous allez dans l'océan, car quand il y a les vagues, votre bateau vole un peu, ça fait les vagues et tout, c'est assez drôle. Donc pour faire cette petite astuce, vous allez tout simplement rentrer les roues de votre Swift, donc c'est super important, et là vous allez tout simplement essayer de vous poser très doucement sur l'eau, et une fois que vous êtes posé sur l'eau, vous n'avez plus à toucher les gâchettes. Et comme vous le voyez actuellement sur votre écran, je suis tout simplement posé sur l'eau, donc là il y a des abrutis qui s'amusaient à nous tirer dessus, donc c'est vraiment sympatoche de leur part. On va reprendre un avion, un hélicoptère pour vous remontrer ça. Je suis dans une session multijoueur, donc du coup les mecs s'amusent à buter tout le monde, c'est assez sympa, bravo, félicitations, quelle preuve de maturité. Donc on va prendre, une voiture, le téléphone. Donc oui, la spécialité, pourquoi le téléphone, quand vous ouvrez le téléphone, l'appareil photo s'active, donc c'est tout simplement une nouvelle fonctionnalité de Rockstar. Quand vous faites deux fois flèche du haut, et vous allez tout simplement activer l'appareil photo. Donc c'est une option qui a été rajoutée par Rockstar depuis la mise à jour 1.16. Donc on va tout simplement reprendre l'hélicoptère, donc le Swift, on va rappeler Pegasus. Donc désolé, je peux pas te prendre, donc je suis avec des abonnés, je leur fais une dédicace d'ailleurs. On va reprendre le Swift, on va aller le rechercher, on va faire ça vite. En attendant qu'on arrive à l'héliport, je vais tout simplement vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook et ma page Facebook. Si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser les glitches que je fais en vidéo, n'hésitez vraiment pas à poster un petit statut. Et pourquoi pas que des personnes acceptent votre demande et réalisent les glitches que je fais en vidéo. Donc on va tout simplement aller chercher le Swift. Où est-il? Donc en plus faut que l'hélicoptère bug. Ah bah bravo, super. Ah, pourquoi ça arrive qu'à moi ce genre de truc? S'il vous plaît, je voudrais mon hélicoptère. S'il vous plaît. Ah, il est là, c'est bon. Alors, on va reprendre le Swift, je vais vous montrer un peu ce que ça donne dans la mer, parce que c'est assez sympatoche, c'est assez what the fuck. Moi je l'ai découvert hier, j'étais assez choqué de pouvoir le poser dans l'eau comme ça. Mais surtout il faut impérativement poser les roues, sinon il faut pas rentrer les roues, sinon ça ne fonctionnera pas et vous ne pourrez pas rester sur l'eau. Donc là je viens de me poser dans l'eau, vous venez de le voir. Vous voyez bien que je suis posé sur l'eau et mon hélicoptère avance tout simplement tout seul. Donc une fois que votre hélicoptère est posé sur l'eau, ne surtout pas appuyer sur les gâchettes de droite ou de gauche. Ne surtout pas appuyer parce que sinon votre hélicoptère va tout simplement remonter ou alors il va couler. Si vous voulez le faire avancer, vous pointez votre joystick gauche vers le haut et vous allez voir qu'il va avancer tout seul. Donc moi il est en train d'avancer, on va éviter de le faire couler. What the fuck. On va éviter de le faire couler. Hop là. Donc si jamais vous trouvez qu'il y a un problème, vous remontez. De toute manière, si vous voyez qu'il coule, vous remontez. Et du coup voilà, donc j'espère vraiment que cette petite info astuce vous aura plu. Vous pouvez liker et partager sur Facebook si vous n'étiez pas au courant et si vos potes n'étaient pas au courant aussi. Et du coup voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, nous on se retrouve dans de prochaines vidéos, allez ciao bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.